devoir de dire. Jean Thierry. FIM FM. Talk Politique, le curseur sur l'actualité et la gouvernance politique en Guinée. Talk Politique, les faits politiques du jour, vus et décryptés par nos chroniqueurs et commentés par les auditeurs. Djamila Tchangelba. Minutes. Merci de votre fidélité à FIM FM et à cette émission. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à cette émission. Nous sommes ensemble pour une heure pour parler de l'actualité politique de la journée. Et avec moi dans ce studio, Kerno Souleymane Diallo. Bonsoir Kerno. Bonsoir Djami, bonsoir à tous. Emmanuel Milimono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Djami, bonsoir à tous. Alpha, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci, bonsoir à tous. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, côté technique, Khalifa Traoré et Ibrahim Assila. Merci encore une fois de votre fidélité. C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel entre compromis et compromission. Merci de votre fidélité. Ouverture du procès des travailleurs de la Sogipa ce jeudi matin en Zérékoré. Ils avaient été arrêtés le week-end dernier pendant qu'ils manifestaient pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Au total, ce sont 21 personnes qui sont poursuivies pour injures publiques, menaces, troubles à l'ordre public, suivies de participation à un attroupement non armé. Et ici à Conakry, des travailleurs arrêtés la semaine dernière dans une manifestation pour non-renouvellement de leur contrat ont dû payer de l'argent pour finalement être libérés. C'est un d'entre eux qui nous rapporte l'information. On en parle tout de suite dans cette émission avec les talkers du jour. Et puis s'exprimant sur les menaces de sanctions de la CEDEAO qui pèsent sur la Guinée, le ministre des Affaires étrangères a rappelé qu'il n'y avait pas péril en la demeure. Maurice Ndankouyaté affirme que la Guinée a accédé à plusieurs conditions de la CEDEAO, parmi lesquelles la libération d'Alpha Condé. Alpha Condé a été libéré et le CNT a été mis en place, a dit Maurice Ndankouyaté, qui semble minimiser l'ultimatum de la CEDEAO. Les Guinéens se posent des questions, toujours la question de savoir sur ce qui retarde le retour d'Alpha Condé à Conakry. On en parle également ici en studio. Et puis c'est officiel, Kassori Fofana est le président de l'organe exécutif provisoire du RPG Arc-en-Ciel. C'est la décision qui résulte de la convention du parti qui s'est tenue ce jeudi 31 mars 2022, ici même à Conakry, en présence de plusieurs dignitaires de l'ancien régime. Kassori pourrait-il être le futur candidat du RPG Arc-en-Ciel à la prochaine élection présidentielle? On en parle tout de suite avec nos chroniqueurs. Et puis votre avis compte, vous le savez, c'est pourquoi nous vous donnons la parole en fin d'émission pour que vous nous disiez votre avis sur la convention du RPG Arc-en-Ciel qui a abouti à la confirmation de Kassori Fofana, président de l'organe exécutif provisoire du RPG Arc-en-Ciel. Encore merci de votre fidélité à FIM FM. Le débat, c'est dans quelques secondes. FIM FM, Talk Politique, la une politique. Alors Emmanuel, je commence par toi. Ouverture ce jeudi donc du procès de 20 ans travailleurs de la Sogipa. Ils avaient été arrêtés le week-end dernier parce qu'ils manifestaient pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Et ici à Conakry, on l'a appris de sources familiales. Il y avait eu des personnes qui avaient été arrêtées ici à Conakry et qui ont dû payer de l'argent pour être finalement libérés. Tout cela au compte de la Sogipa. Oui, des libérations surtout, il faut le dire, sous caution, parce qu'il y a eu des arrestations, c'est vrai. Et normalement, des procès doivent se tenir, parce que l'affaire, semble-t-il, n'est pas encore finie. Mm-hmm. Elle est loin d'être finie, d'ailleurs. Elle est loin d'être finie. Ces personnes ont été libérées sous caution, le temps que le procès puisse s'organiser. Mais je pense que la situation va bien au-delà, peut-être, de l'arrestation de ces citoyens, de ces travailleurs de ce côté. Mm-hmm. Parce que ça remet finalement sur la table la question globale même de la Sogipa. Du fonctionnement de la Sogipa. Il ne faut pas oublier que c'est quand même une entreprise qui, depuis plusieurs mois, je dirais même années, est confrontée à une crise sérieuse, a du mal à payer ses fournisseurs, donc les planteurs, ceux-là même sans lesquels l'entreprise n'aurait aucun sens. Et surtout avec les dernières sorties du ministre de l'Agriculture, on a compris finalement qu'il y avait une situation plus dangereuse que celle que l'on voit de surface, parce qu'on a l'impression qu'il y a juste peut-être un retard dans le paiement des planteurs, mais en réalité, la question touche même le fonctionnement de la société. Elle va au-delà. Et quand on voit
le nombre d'employés évidemment qu'il a révélé par rapport aux besoins de l'entreprise. Plus de 4000 employés. On se rend compte que oui, il y avait peut-être nécessité, ou plutôt il y a nécessité de n'appellerai pas ça un purée, c'est pour ça, mais de dégraisser les charges de l'entreprise. Une entreprise de ce genre doit normalement rapporter de l'argent. C'est une entreprise agricole. Normalement, le secteur agricole, il rapporte. Mm-hmm. Il n'est pas censé engloutir pour ne pas rapporter. Mm. Ce n'est pas une entreprise de service. C'est une entreprise qui vend quelque chose, qui vend un produit. Donc, elle doit pouvoir rapporter quelque chose à l'État. Mais quand elle doit s'endetter pour payer ses salaires, ça veut dire qu'il y a un problème de gestion. Et moi, je pense que si la gestion, au niveau notamment des travailleurs, est plus coûteuse que celle des planteurs, parce que les planteurs, eux, quand même, c'est le nerf central même de l'entreprise. Il faut qu'ils produisent pour que l'entreprise ait la matière première, qu'elle transforme, qu'elle vende et qu'elle rapporte des bénéfices. Mais si les travailleurs sont plus pléthoriques et donc deviennent plus difficiles à payer que les planteurs, ça pose problème. Et ces problèmes de fonctionnement, je pense que le ministre a eu le courage déjà de le dénoncer et, bien entendu, de retrousser les manches pour y faire face. Maintenant, évidemment, cela va faire grincer des dents, cela va faire des mécontents, mais c'est aussi cela l'autre facette des réformes. Les réformes, elles font toujours mal, même si elles doivent après aboutir, mais elles font toujours mal à une partie de la société. Et ceux qui sont arrêtés, ceux qui sont en ce moment dans les mailles de la justice, évidemment, sont dans ce sens-là. Il y a des emplois qui sont en jeu, mais je pense que ce n'est pas au régime actuel qu'il faut en vouloir cela. Il faut en vouloir plutôt à celui qui a fait ces recrutements pléthoriques, finalement, qui ont dépassé les attentes de l'entreprise et qui ont fini par la faire couler sous le poids de sa masse salariale. Alors, Alpha, dans les révélations, enfin, dans le passage du ministre Mamoudou Nagnalimbari, on a appris ici que rien qu'en 2021, Sogipa avait recruté plus de 1000 personnes, alors qu'on savait qu'on était dans la période Covid-19 et qu'il y avait une sorte d'austérité sur l'économie, pas que du pays, mais dans le monde entier. Peut-être qu'il n'y avait même pas de nécessité de recruter ces 1000 personnes. Oui, il a parlé même de 1700 personnes. Près de 2000 alors. Oui, pratiquement. Non, c'est pour dire combien de fois cette entreprise connaissait une mauvaise gestion sans précédent. Et très malheureusement, on sait qu'à un moment donné ici, pour avoir du boulot, quand on a des acquaintances avec le parti au pouvoir, mais pratiquement, c'est la course vers les emplois, même s'il n'en fallait pas. Donc, c'était permis justement de recruter, de récompenser des militants. Donc il fallait recruter ça et là pour faire plaisir et justement au détriment justement de cette entreprise là qui, comme l'a dit Emmanuel, était censée rapporter gros, n'est-ce pas, à l'État guinéen. Donc c'est un peu ce qui arrive et aujourd'hui ceux qui sont à la barre, ceux qui étaient à la barre à Zérikoré, ce n'est qu'une infime partie de ce à quoi on va assister, parce que comme l'a dit Emma, il va y avoir un décrissage et beaucoup de gens vont partir parce que près de la moitié, je pense, que pourrait être concerné par cette restructuration. Mais est-ce que ce ne sont pas plus les travailleurs de Conakry qui sont concernés par cela que ceux qui sont sur place en Zélé-Coré? Parce qu'on a appris qu'il y a des travailleurs qui sont mutés pour Zélé-Coré, mais qui ne veulent pas y aller. Justement, il y en a qui sont cloîtrés dans les bureaux ici à Conakry et vont pas sur le terrain. Donc c'est une entreprise agricole quand même. Naturellement, il faut aller à Djeké dans la préfecture de Yomou. Donc c'est là qu'il faut aller pour faire ce travail-là. Maintenant, à Zérikoré, en tout cas ceux qui ont été arrêtés le week-end dernier, puisqu'on a ouvert par ça, c'est des gens, en fait, c'est sur ordre, semble-t-il, du gouvernement même de Zérikoré, qui aurait demandé carrément à ce qu'on arrête ces gens-là, parce que c'est de la rébellion et tout et tout. Et le sous-préfet, qui était là, un militaire aussi, un colonel, je crois, aurait un petit peu voulu s'opposer un peu à cette arrestation. Il y a même eu une passe d'armes entre le gouverneur et le sous-préfet de Djeké, donc chacun a accusé l'autre d'être derrière le mouvement. Bon, finalement, ces 21 personnes sont aujourd'hui poursuivies par la direction générale, par Michel Bémy, qui est la partie civile. Donc, qui aujourd'hui, ces jeunes sont poursuivis, et ces 21 personnes en tout cas, et ont commencé à défiler à la barre ce jeudi à Zérikoré. Alors, Tierno, ici à Conakry, par exemple, beaucoup de personnes manifestent parce qu'on apprend que leurs contrats ne vont pas être renouvelés. Mais finalement, est-ce que le ministre n'est pas en droit de ne pas renouveler ces contrats? Avec tout ce qui a été dit, toutes les dénonciations de mauvaise gestion de l'entreprise. Écoutez, c'est du droit de l'employeur, du propriétaire de l'entreprise
de, à un moment donné, évaluer les choses, savoir ce dont il a besoin, y compris en ressources humaines, donc de prendre des décisions en conséquence. Il faut quand même le préciser, je pense que c'est des contrats à durée déterminée. Ben, même si c'est des CDI, c'est pas impossible de mettre fin là-dessus, oui, même si ça demande une procédure en bonne et due forme. Mm-hmm. Et même pour les CDD, à un moment donné, il faut savoir qu'il s'agit des humains et donc les mettre au cœur de la préoccupation. Bien sûr qu'on est dans le monde libéral où l'entreprise doit faire des profits, d'accord, mais il ne faut pas non plus oublier qu'il s'agit là des personnes employées qui vivent de ce salaire. Donc moi je suis totalement d'accord avec l'autorité si elle trouve que c'est plutôt nécessaire de mettre fin à certaines collaborations pour permettre à l'entreprise de se redresser et d'être rentable. C'est tout à fait normal, seulement il faut le faire avec la manière, parce que ces gens-là, ils ne sont pas venus d'eux-mêmes, ils sont venus, Alpha ou Emmanuel le rappelait tout à l'heure, dans des conditions que l'on sait. Donc ce sont là des conséquences de la mauvaise gestion que le CNRD a hérité du régime Condé et peut-être même du régime Conté. Alors, à un moment donné, quand on veut redresser les choses, forcément, il y a des sensibilités, on se heurte à ces sensibilités, à ces problèmes d'intérêt, mais à mon avis, il faut rester ferme tout en étant le plus flexible possible, donc pour se séparer des travailleurs dont on n'a plus besoin, tout en permettant à l'entreprise, surtout avec le seul objectif de permettre à l'entreprise de fonctionner normalement et d'être rentable. Alors Thierno, justement parlant de sensibilité, ce non-renouvellement du contrat des travailleurs ici à Conakry aura forcément un impact sur la société, notamment parlant de chômage. Ce sont quand même beaucoup de Guinéens qui vont se retrouver sur le marché sur le monde du chômage, je ne sais pas comment on dit. Absolument, absolument. Quand on cesse de travailler, on cesse d'avoir de revenus et par conséquent, on est dans le besoin, ça c'est évident. Maintenant, face à cela, il faut mettre dans la balance, de l'autre côté, le fait que l'entreprise même risquait de disparaître. Et si cela arrivait... Il y avait nécessité de faire un choix. Se séparer de ces travailleurs et redresser l'entreprise. Et redresser l'entreprise. Moi, avant que le ministre ne passe à FIM, j'ai eu le directeur Michel Bémy en entretien parce que j'avais besoin de récupérer des informations qui nous avaient été confiées à Guinée News. Mm-hmm. Et justement, il a expliqué une situation qui, en tout cas, à en croire à ses propos, ne pouvait pas rester en l'état parce qu'il fallait un redressement qu'il a commencé et dont il fallait absolument amener au bout, même si derrière, le ministre ne semble pas être dans la même logique que lui parce que c'est comme si lui-même, il aurait quelque chose à se reprocher. Mais toujours est-il que le ministre étant le chef de tutelle, s'il a initié cette démarche, on estime que c'est en connaissance de cause. On souhaite juste que les choses se passent dans les règles, comme on le dit, et que ceux-là qui doivent être limogés ou dont le contrat ne serait pas renouvelé, qu'on le fasse en toute sérénité pour que l'entreprise redémarre dans l'optique de pouvoir être rentable, en même temps permettre à ceux-là qui restent de travailler et de jouir du fruit de leur travail. Maintenant, en même temps, prendre des mesures pour arrêter, en tout cas à l'avenir, anticiper sur ce genre de choses, parce que c'est l'État c'est une société étatique, c'est l'État qui a créé toutes ces conditions en employant plus qu'il n'en faut, parce qu'au même moment qu'on était en train d'employer des gens, l'entreprise était déjà endettée vis-à-vis de certains travailleurs, parce qu'ils étaient face à une crise, donc il fallait que chacun fasse des sacrifices. Il y a des problèmes de vieillesse au niveau de certains plans, il y a pas mal de choses au niveau de l'industrie, de l'unité de transformation. Il y a tout cela à régler. Donc, quand il y a toutes ces dépenses à faire, il ne faut pas que l'État, dorénavant,
mettre quelqu'un à la tête d'une unité industrielle, enfin n'importe quelle entreprise. Et donc le laisser faire sans pour autant de temps en temps jeter un coup d'œil pour savoir si les choses fonctionnent bien ou de façon mauvaise afin de pouvoir redresser si c'était nécessaire. Alors Emmanuel, pour rebondir sur ce que Tierno Souleymane a dit tout à l'heure, il serait important d'anticiper pour ne pas qu'on en arrive là, parce que c'est sûr que si on fouillait dans plusieurs entreprises étatiques aujourd'hui, on en serait peut-être dans la même situation que la Sogipa. Non, mais c'est justement, on en est déjà à ce niveau parce que la plupart des entreprises publiques guinéennes ont du mal à fonctionner sans subvention, sans aide de l'État. Et quand c'est le cas, ça veut dire qu'il y a un problème de gestion. Et le problème de gestion, normalement, que ce soit une entreprise publique ou privée, lorsque son fonctionnement, ses revenus ne lui permettent pas de fonctionner, c'est qu'il y a problème. Et à l'État, ce n'est pas, je le redis, ce n'est pas une entreprise de service. On peut comprendre avec des entreprises de services qui n'ont pas forcément un but lucratif, comme c'est le cas avec des unités de transformation. Donc, il faut anticiper, il faut prendre des mesures. Tierno parlait tout à l'heure d'emplois qui sont en jeu. C'est vrai, les emplois, c'est un problème. Parce que derrière chaque emploi, il y a une personne, il y a une famille. Mais évidemment, mais il faut faire aussi le choix entre garder ces emplois et ne pas pouvoir les payer, ou les supprimer et pouvoir payer une partie. C'est cela aussi la question. Quand on regarde aujourd'hui la situation de la Sogipa, le plus dur, ce sont surtout les planteurs qui n'arrivent plus à se faire rémunérer. Alors que ce sont eux qui font le gros du travail. Voilà, ceux-là qui alimentent l'usine ne peuvent pas être payés alors qu'eux, ils ne sont pas embauchés par l'État. Ce sont des agriculteurs qui produisent et qui viennent vendre à l'usine. On doit pouvoir les payer. Mais si eux, on ne peut pas les payer, ça veut dire que quelque part, il y a une masse pléthorique de salariés qui sont en train d'être payés en réalité pour une prestation qu'ils ne rémunèrent pas, et surtout pour une prestation qu'ils ne fournissent pas. Parce que si vous êtes installé à Conakry, je ne vois pas comment vous êtes utile à une usine qui est installée à Yomou ou à Beila. J'ai quand même du mal à comprendre que l'essentiel de l'administration de la Sogipa soit à Conakry. Non, mais c'est là le problème, Emmanuel. Parce que c'est bien beau de se lever un beau jour pour dire que tel nombre de personnes n'est plus nécessaire, mais ces gens-là ont été recrutés par l'entreprise. Deuxièmement, quand un travailleur ne vient plus au boulot, à un moment donné, au bout d'une semaine, au bout de deux semaines, on est censé le savoir et prendre ses dispositions. Même si on dit que l'État est une continuité, il y a une possibilité de rectifier les choses. Mais comment le directeur, je prends un exemple, comment le directeur général de la Sogipa peut savoir que tel employé n'est pas venu au travail alors que lui-même il n'y est pas? Comment le directeur des ressources humaines peut savoir que telle personne n'est pas à son poste alors que lui-même il n'est pas là-bas? La réponse à cette question, Emmanuel, c'est que ça devait être prévu tout cela. À partir du moment où on a décidé de mettre en place un service, déconcentré, ou en tout cas en dehors du périmètre où se trouve l'entreprise, une sorte d'antenne, à un moment donné, on est censé mettre en place le processus par lequel on peut vérifier tout cela. S'il y a la volonté, en tout cas, il y a une possibilité. C'est un problème d'organisation. Je pense que ça va au-delà de l'organisation, parce qu'une une équipe de gestion qui n'a pas pu comprendre qu'elle est en train d'être débordée par ses effectifs ne peut pas savoir qui est présent, qui n'est pas présent, parce que vous savez, en fonction des postes que vous avez, en fonction des besoins que vous avez, les responsables de cette entreprise ne sont pas exempts de reproches dans cette situation. Une entreprise sérieuse, à la limite, ils endossent le gros de la responsabilité. On a besoin de tel nombre de personnes, et ce nombre de personnes là, il doit être respecté, parce que vous savez qu'en allant au-delà, vous avez des travailleurs qui ne sont pas utiles, en restant en ça, vous avez des objectifs qui ne seront pas atteints. Il faut savoir tenir cet équilibre-là. Bon. Mais lorsque vous avez pu passer de plus de 1000 travailleurs, vous vous retrouvez à plus de 2000 travailleurs, ça veut dire que vous avez presque le double qui ne vous est pas utile, mais qui pèse en termes de masse salariale. Évidemment, ça veut dire que c'est une équipe de gestion qui ne sait pas qu'elle fonce droit vers la faillite. Parce que si on continue comme ça, les travailleurs vont arrêter, les planteurs vont arrêter de produire. Et l'administration, le gouvernement n'est pas en dehors de tout cela.
Parce qu'à un moment donné, il doit y avoir quelqu'un qui est au-dessus de tout cela, qui peut avoir un regard externe, de contrôle, justement, un conseil d'administration, pourquoi pas. Mais quand on a créé l'entreprise, on l'a laissé comme ça, à un moment donné, on a tiré sur des ficelles parce que justement, pour des besoins politiques ou de manipulation communautaire, on a pris des gens plus qu'il n'en faut dans une entreprise. Mais à un moment donné, il faut s'attendre à ce que ça pète. Et c'est ce qui est arrivé là. Donc le gouvernement n'est pas exempt de reproche non plus. Le ministère de l'Agriculture, la direction de l'entreprise, tous sont responsables de cette situation. C'est pourquoi je tiens à ce que tout cela se fasse, mais avec la plus grande sérénité, avec la plus grande souplesse. Merci. Parce que les gens ne se sont pas retrouvés là par hasard. Merci, merci à tous les trois, et je le disais, s'exprimant sur les menaces de sanctions de la CEDEAO qui pèsent sur la Guinée, le ministre des Affaires étrangères a rappelé qu'il n'y avait pas péril à la demeure Alpha. Maurice Ndakouyaté affirme que la Guinée a accédé à plusieurs conditions de la CEDEAO, parmi lesquelles la libération d'Alpha Condé. Il dit, je cite, « Alpha Condé a été libéré et le CNT a été mis en place. » Finalement, Alpha Condé est libre, mais personne ne sait ce qui se passe. Oui, quel est son statut finalement? Parce que les engagements qui avaient été pris, normalement, c'était qu'Alpha Condé aille se faire soigner. Est parti pour justement des soins. Il devait revenir après juste un mois. Et donc, un mois est passé. Il n'y a pas eu de communication du CNRD là-dessus. Et donc, notre ministre des Affaires étrangères sort pour dire que voilà, Alpha Condé est libre. Voyez-vous, on est un peu dans un flou, mais un flou artistique, savamment orchestré par le CNRD, je dirais. Et ils sont responsables de cette situation. Et voilà, et la réponse de Maurice Nda, c'est toujours comme ça. Ça n'a pas forcément été diplomatique. Si vous voyez un peu la lettre-réponse formulée aujourd'hui même par la junte burkinabé par rapport aux exigences de la CEDEAO, vous verrez qu'il y a carrément une différence. Eux, la démarche, elle est diplomatique. Ils savent vraiment comment s'y prendre. Mais nous, on bondit sur les sujets, on apporte des choses, alors que ça, ce ne sont pas des réponses véritablement qui peuvent rassurer. Et il faut savoir qu'il y a une date qui est fixée par la CEDEAO, je pense que c'est le 25 avril. Donc, voilà, on a intérêt à poser les jalons, à aller en tout cas vers ce qui est demandé. Sinon, on risque d'être tout simplement, et subir en tout cas les courroux de la CEDEAO. De la CEDEAO. Alors, finalement, Emma, est-ce que tu as de cet avis, disant que Maurice Nda semble minimiser les injonctions, les menaces de la CEDEAO? On me signale qu'il est l'heure d'aller à la pause. Je reviens vers toi tout de suite. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. On se retrouve après les informations. C'est peut-être ça la politique.
FIM FM, le fil info. Ibrahima Khalil Diallo. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité. La suspension du procureur général près la cour d'appel de Conakry continue de susciter des réactions à Conakry. L'association des magistrats de Guinée déplore la procédure et dénonce ce qu'elle qualifie d'acharnement contre Alphonse Charles White. L'AMG exprime ses préoccupations et regrette l'irruption des forces de sécurité dans les locaux du bureau du magistrat, lui réclamant, vous le savez, ses véhicules de fonction. Il obligea même à libérer Malu Militari les lieux. Et selon Mohamed Diawara, ces agissements sont contraires à la loi. Et sur le continent, les 5 employés de l'ONG Médecins sans frontières enlevés il y a un mois dans l'extrême nord du Cameroun sont sains et saufs. Ils ont été libérés et sur le sol nigérian soutient l'ONG. Et cependant, l'organisation ne souhaite pas communiquer davantage pour le moment sur les circonstances de ces libérations, mais elle s'engage à les accompagner à les aidant bien sûr à mieux se remettre. À l'interactualité pour terminer, la rencontre prévue ce vendredi à Rabat entre le chef de la diplomatie espagnole et son homologue marocain a été annulée et selon nos informations, elle se tiendra désormais en marge de la visite officielle au Maroc à une date très prochaine du chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez. Et cette visite à Rabat de José Manuel Álvarez entrait dans le cadre, il faut le rappeler, de la normalisation des relations entre les deux pays. Et c'est l'essentiel de ce fil info. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite de Talk Politique sur FIM FM Guinée avec Diami Tiangelba. FIM, Talk Politique, la une politique. 17h passé de 34 minutes. Merci de votre fidélité à FIM FM et à cette émission. Avant de continuer le cours normal de cette émission, on va prendre quelques messages des auditeurs et on commence par Alpha Amadou Diallo qui dit bonjour l'équipe. Je ne sais pas ce qui se passe, je n'arrive pas à afficher les messages, je vais quand même les lire. Et Alpha Amadou Diallo qui dit bonjour l'équipe de Talk Politique. La CEDEAO est une institution obsolète qui a pour mission mais de s'occuper uniquement des questions politiques. Quelles sont les solutions que propose cette institution pour aider les États membres à faire face à la crise économique actuelle? C'est une question que nous pose Alpha Amadou Diallo. Et Tourama de Bolokada qui dit bonsoir Madame Diami Tiangelba et à toute l'équipe du soir. Nous remercions très sincèrement le légionnaire colonel guinéen pour la libération de notre champion, le professeur Alpha Condé. Nous remercions les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel pour le choix porté sur la personne de Dankas et j'espère qu'il sera en mesure de relever les défis du RPG Arc-en-Ciel. Bolokada Tourama, l'enfant chéri de Dingira et communicant du RPG Arc-en-Ciel. Volcom et Alpha Doukoukou Diallo qui dit Doukoukou, c'est dans Dongol Touma. Il dit bonsoir à vous, les vrais journalistes. Aidez-nous à vérifier si c'est vrai qu'il y a des falsifications de décrets à la présidence selon Africa Guinée. Si c'est le cas, on est mal barré. C'est Alpha Diallo Dongol Touma depuis la Belgique. Merci à vous, Alpha et
Tourama Bolokada qui revient, il dit bonsoir. Et à toute l'équipe, le RPG Arc-en-Ciel ne tombera jamais dans l'arène politique de notre pays. Certains politiciens pensaient que le RPG Arc-en-Ciel est enterré après la chute brutale du président Alpha Condé, mais malheureusement, ils se trompent vraiment. Kassori Fofana monte au pouvoir. Nous demandons l'unité des militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel pour la reconquête de notre pouvoir perdu le 5 septembre dernier. Bolokada Touramak, merci à vous, fidèle auditeur de FIM FM, mais aussi un grand militant du RPG Arc-en-Ciel. Alors, Emma, je reviens vers toi, j'étais avec toi avant d'aller à la pause. Finalement, est-ce qu'il faut croire ces personnes qui disent aujourd'hui que c'était une sorte de deal, peut-être, entre Alpha Condé et le CNRD qui a fait croire qu'il allait se faire soigner, mais depuis plus d'un mois, personne ne pique mot sur cela. Forcément, c'est un deal parce que... Oui, forcément, c'est un deal parce que quelque part, différents acteurs se sont retrouvés pour échanger et pour tomber d'accord sur quelque chose. Mais maintenant, est-ce que c'est un deal illicite? C'est cela la question. Mais en tout cas, à partir du moment où un certain nombre d'acteurs s'est retrouvé pour s'entendre, donc c'est un deal, c'est une affaire. Maintenant, moi je me demande finalement, est-ce que forcément, est-ce que la junte s'attendait à ce que la CEDEAO et les chefs d'État, notamment qui l'ont représenté dans ces négociations, prennent des engagements et qu'ils n'arrivent pas à les respecter dans le cadre du retour d'Alpha Condé. Je ne dis pas qu'on en est là encore parce que officiellement, Alpha Condé... Est-ce que la junte même exige le retour d'Alpha Condé? En tout cas, depuis qu'il est parti, on n'a pas entendu une seule communication depuis son départ, malgré ses sorties... fracassante à travers des vidéos et des audios. Absolument, c'est le mot. Bouleversant. Mais moi, je me demande justement, est-ce que la junte savait que la CEDEAO allait prendre l'engagement d'envoyer Alpha Condé se soigner et que ce dernier ne revienne pas? Mais quoi qu'il en soit, quelque part, chacun, comme on le sait, on est dans une situation où chacun essaie de tirer le drap de son côté. La CEDEAO veut avoir des moyens de pression sur la Guinée. La junte veut avoir des moyens de pression aussi, desquels elle peut se protéger de la CEDEAO. Et à un moment, moi, j'ai dit ici un jour que la junte pourrait même utiliser le fait qu'Alpha Condé est parti, n'est pas revenu. Elle peut utiliser cela comme moyen de chantage vis-à-vis de la CEDEAO. Disant qu'ils n'ont pas respecté leur engagement. Et c'est un moyen pour la junte. Parce que depuis le début de cette transition, même si on ne peut pas être tous d'accord là-dessus, il faut dire que la junte guinéenne a fait beaucoup, en tout cas mieux par rapport à beaucoup d'autres juntes. Déjà un gouvernement 100% civil, ça, on n'a jamais vu cela. Et l'autre aspect, malgré le temps que cela a pris, le CNT, il est quand même là. Les institutions de répression des enrichissements illicites sont en train de fonctionner. Et ça veut dire que la junte avait pris déjà de l'avance sur la CEDEAO. Avant que la CEDEAO n'exige certaines choses, la junte était déjà, soit elle les avait fait, soit elle était dans les prédispositions de le faire. La sortie du ministre Maurice Ndakouyaté, on sait que c'est un ministre de la diplomatie, des affaires étrangères, mais qui n'a rien d'un discours diplomatique. Et généralement, quand il dit quelque chose, il n'est pas recadré par la junte. Donc, ce qu'il dit, est généralement, je me dis, dans l'esprit de la junte. Parce que le langage quand même qu'il prend, même si demain le CNRD devait parler, j'ai l'impression que ce sera le même langage. Il y a eu une succession d'éléments quand même en Guinée qui peuvent nous permettre aujourd'hui de comprendre que la junte est prête à aller à un bras de fer avec la CEDEAO. D'abord, il y a eu cette sortie d'Ousmane Gawal Diallo, mais il y a eu tous ces éléments que j'ai cités. Le CNT, le gouvernement civil, les institutions de répression de l'enrichissement illicite, la refondation de l'État, bien entendu, un terme global dans lequel on ne voit pas encore un sac pour tout. Mais il y a quand même le fait que la junte a fait un communiqué qui n'a pas été démenti par la CEDEAO, comme quoi la CEDEAO et certains chefs d'État sont intervenus pour qu'Alpha Condé aille se soigner et après ce soin, il revient pour répondre de sa gestion. Il se trouve qu'Alpha Condé aujourd'hui est en train de prendre un verre. Or, un malade ne prend pas un verre. Mais un verre d'eau. Non, c'est pas de l'eau. Il n'est pas mort, le malade. C'est pas de l'eau. Ça peut être prescrit, ce verre-là, Emmanuel. D'accord. En tout cas, c'est pas de l'eau. Moi, je me dis que si généralement l'alcool est déconseillé, quand on prend un verre, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que quelque part,
Quelque part, ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'Alpha Condé a terminé ses soins. Il ne rentre pas, la junte ne dit rien. Pourquoi elle ne dit rien, on ne sait pas. C'est peut-être que justement, elle pourrait utiliser ce point-là face à la CEDEAO. Le jour où la CEDEAO va vouloir mettre la pression sur la Guinée, et si le CNRD disait, attention, d'abord, ramenez-nous Alpha Condé. On vous l'a donné, vous avez pris le colis. Voilà, vous avez pris l'engagement qu'il va revenir. Il est parti, il n'est pas revenu. Donc, ramenez-le-nous d'abord et asseyons-nous ensuite pour qu'on puisse discuter. Et la CEDEAO n'aura rien à lui dire parce qu'elle a pris l'engagement qu'Alpha Condé va revenir. Alors, Kierno, est-ce que tu as du même avis qu'Emmanuel et Alpha? Ben écoutez, pas forcément, parce que moi je pense que c'est vrai, dans la rhétorique qu'on entend au niveau du gouvernement et au niveau du ministre des Affaires étrangères et au niveau de son homologue porte-parole du gouvernement auparavant, on dit qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais il y a des aspects particuliers que la CEDEAO a demandé dans sa lettre. Est-ce que, à ce niveau-là, il y a eu évolution? Je réponds par la négative. D'abord, au niveau du chronogramme de la transition, il n'est pas du tout connu. Comment on appelle la façon dont les opérations de récupération des biens se passent, mais c'est tout sauf normal. Vous avez vu, même la junte, elle est en train de se contredire quand on dit que c'est la justice qui va être la boussole, alors que dans un dossier où il y a une procédure judiciaire en cours, on anticipe pour aller démolir le domicile de Dalin. Moi, je ne me retrouve pas. Je ne comprends pas ce qu'on est en train de faire là. Donc, ne serait-ce que sur ces deux points-là, vous vous rendez compte. En ce qui concerne le dialogue, on demande un dialogue politique avec les acteurs. La junte vous sort des assises nationales. Mais ça n'a rien à voir. Même si c'est important. Oui, c'est important peut-être pour ceux qui organisent. Mais il n'y a pas eu d'amalgame. La junte a dit que les assises sont différentes du dialogue politique. Le gouvernement l'a dit. Mais justement, la CEDEAO n'a pas demandé d'assises nationales. Peut-être qu'au terme de ces assises, on pourrait avoir le dialogue politique. La CEDEAO a demandé un dialogue avec les acteurs sociopolitiques. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que parallèlement, la junte n'a pas dit que les assises représentent le dialogue. Jamais. Au contraire, ils ont fait la différence. Le gouvernement a dit qu'il y a les dialogues. Non, moi, j'énumère. Et que pour le dialogue, justement, je finis rapidement. Pour le dialogue, une concertation est en cours. Et cela, quand même, est vrai. Des concertations ont eu lieu avec le ministre de l'administration du territoire. Et que ces concertations devaient aboutir à la création d'un cadre de dialogue. Ben voilà. On ne peut pas pour l'instant. C'est là qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Il y a des concertations en cours. D'accord. En tout cas, il y a eu des rencontres. Moi, je n'appellerai même pas sa concertation en tant que telle. Il y a eu des rencontres où les gens ont exprimé leur attente sans avoir de réponse en ce qui concerne la position du gouvernement pour l'instant. Donc là-dessus, il n'y en a pas eu de grande avancée. Donc, ne serait-ce que sur ces trois points-là, la CEDEAO a estimé qu'elle est dans des dispositions de pouvoir en demander davantage à la junte, tout en réitérant son option de départ, c'est-à-dire le fait de nommer un facilitateur de la crise guinéenne. Donc, moi, je crois que après ça, le gouvernement, ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement, chacun dit ce qu'il veut, mais pour l'instant, au niveau de la CEDEAO, en tout cas, les réponses restent attendues et le délai du 25 avril, arrive. On attend de voir ce que ça va donner. Merci à tous les trois. Et finalement, c'est officiel. Kassori Fofana est le président de l'organe exécutif provisoire du RPG Arc-en-Ciel. C'est donc la décision qui résulte de la convention qui s'est tenue ce jeudi 31 mars 2022, ici même à Conakry, en présence de plusieurs dignitaires. Alors, Emma, est-ce que Kassori pourrait être le prochain candidat? Parce que malgré toutes les contestations qu'il y a eu autour du choix de Kassori pour la présidence de l'organe provisoire du parti, il a quand même été confirmé. Non mais avant de répondre à votre question, j'ai quand même envie de préciser rapidement que ce n'est pas à la convention d'aujourd'hui que Kassori a été confirmé. Attention, en fait la convention d'aujourd'hui était une façon de présenter Kassori. Mais moi, je pense que c'était déjà réglé bien avant. Ils sont venus parce que le programme de la cérémonie était connu. Bon, j'ai eu lecture, j'ai pu avoir accès à ce programme. Il était mentionné présentation du président du comité provisoire. Donc, installation.
ça ne veut pas dire choix. Nulle part on a dit choix ou élection du président du comité provisoire. Les mots, c'est important. Mm-hmm. C'est important parce qu'on a parlé de son installation, ça veut dire que ça avait déjà été réglé. La cérémonie, c'était le protocole officiel pour pouvoir entériner tout cela. Mais oui, moi je vois bien qu'Assori Fofana, candidat du RPG pour les prochaines élections, à partir du moment où il est passé, il est arrivé à ce stade-là. Mm. Parce qu'aujourd'hui, rien ne vous dit que le RPG sera prêt pour un congrès avant l'élection à venir. D'autant plus que le congrès est sollicité par les contestataires de la convention d'aujourd'hui. Si on est passé outre le congrès pour aller à la convention et installer Kassori, mm-hmm. c'est parce qu'on sait peut-être que le congrès ne serait pas favorable. Qu'est-ce qui vous dit que Kassori à la tête du RPG demain ne va pas faire l'air d'être surpris ou se retrouver dans un contexte où il va dire aux gens que le congrès, préparer un congrès serait compliqué, il vaut peut-être consulter les gens comme celui d'Alain Lafay en 2020 pour aller à l'élection présidentielle, il n'y a pas eu de congrès. Ce serait trop facile ça. Voilà, oui, justement, mais c'est dans ce jeu que nous sommes malheureusement. Parce que depuis que Kassori a été ou s'est désigné, moi j'appelle, c'est comme ça que j'appelle les gens, il s'est désigné et des gens même sont si sortis Alpha, derrière. Même si Alpha, il y a eu des gens autour de lui. Oui, mais il y a eu des gens autour de lui qu'il a réunis lui-même. Toutes ces personnes-là, il a réussi à les adouber. C'est lui qui les a réunis. Mais Emma, quand on veut une chose, on se donne les moyens. Et on arrange. Je suis parfaitement d'accord avec toi. On se donne les moyens, mais en passant quand même par. Non, moi je crois qu'on est en train de faire. On est en train de faire. Il appartient aux personnes qui viennent autour de vous. On fait un mauvais procès. On fait un très mauvais procès. Non, on n'est même pas en train de faire un procès. Non. Je dis, on n'est même pas en train de faire un procès. Un mauvais procès. Non. On veut une chose, on se donne les moyens de la Attention. On est en train de dire la réalité. On n'est même pas en train de faire un procès. On dit les choses telles qu'elles se sont déroulées. C'est la réalité. Elles se sont déroulées de cette manière-là. Il se trouve que un parti a perdu le pouvoir, son président, connu en tant que tel, Alpha Condé, n'a pas décidé de passer la main. Il a demandé à ce qu'il y ait une gestion collégiale du parti. Derrière, quelqu'un s'est désigné, il a embarqué tout le monde derrière. Il y a des contestataires, moins des moindres. Amadou Damarou Camara, il n'était pas présent. Mohamed Diané n'était pas présent. Ibrahima Khalil Kaba n'était pas présent. Jakaria Koulibaly n'était pas présent. Et tout cela, justement, quoi que l'on dise, le RPG, il est sept arc-en-ciel aujourd'hui, mais il était RPG à la base, originel. RPC. Et c'est justement, ce RPG ou ce RPC-là se reconnaît plus facilement en Damaro, en Diané, en Diakaria et en Kaba que en Kassori Fofana. Il faut qu'on se dise la vérité. Le risque, c'est quoi? Peut-être que Kassori, forcément, moi je le vois candidat du RPG arc-en-ciel en 2020, mais je dis que ce ne sera pas sans conséquence. Mm. Soit les autres vont peut-être déposer les armes pour le rejoindre dans sa démarche, sinon ben, les plus classiques vont refuser et peut-être partir avec une partie de l'électorat, notamment de la Haute-Guinée et de la Forêt. Même si on ne le veut pas, Amadou Damarou Camara, on n'aime pas peut-être l'homme, mais c'est quand même un des grands mobilisateurs du RPG, notamment en Forêt. On ne peut pas réunir cela. Mohamed Diané et Ibrahima Khalil Kaba, Jakaria, la Haute-Guinée, ils la connaissent mieux que Kassori Fofana. Donc le RPG, sans ces gens, il ira certainement, mais il n'ira pas comme un éléphant avec toutes ses quatre pattes. D'ici là, peut-être qu'ils auront résolu leurs différends. Peut-être, mais toujours est-il qu'il faut savoir qu'il y en a encore qui sont vraiment retranchés dans leur coin, qui ne parviennent pas à gober, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, ce hold-up que Kassori et tout son staff ont organisé. Et aujourd'hui, est-ce que Kassori peut oser aller actuellement à Kankang ou à Sigiri, d'autant plus que le Chinois y est mort depuis quelques temps? Alpha, est-ce qu'avec tout ce qu'ils ont subi ces dernières années, lui, deux fois premier ministre, qu'est-ce que ça vient faire dans ce débat? Justement, vous savez, en général, on reconduit quelqu'un, on vote pour quelqu'un, ou en tout cas, on fait confiance à quelqu'un parce qu'il a pu faire quelque chose pour nous. Mais toutes les promesses, tout ce qui s'est passé pour la de Guinée qui n'a jamais été réalisé. Kassori qui vient de cette façon, si la manière utilisée, si le modus operandi n'a pas été ce qui devait être. Il y aurait une personne au sein du RPG qui serait aujourd'hui. Il y a une différence. Vous savez, Kassori, c'est récemment qu'il est venu fusionner au sein du RPG. Et comme vous savez, en Guinée, très malheureusement, les partis politiques, c'est des partis ethniques. Qu'on le dise ou pas, c'est ça la vérité. Donc, il y a ce problème qui est là. Donc, il ne peut pas banalement venir tout d'un coup balayer tous les rebelles de la main, organiser son hold-up pour penser que ça tout va couler comme sur des roulettes. Je ne suis pas d'accord. Donc il va y avoir des problèmes. Déjà les Sidiki Touré que l'on connaît de la jeunesse de RPG et même des jeunes aujourd'hui ils disent qu'ils attendent Kassori au siège de RPG à Bienzé. Voyez-vous, donc c'est pour dire qu'il n'est pas sorti de l'auberge sans compter que tous ces responsables du RPG là. Tous ces responsables du RPG là, il faut savoir que Sandy Long. Il faut savoir que tous ces responsables du RPG aujourd'hui, ils sont encore sous la menace de la CRIEF.
Donc, ce n'est problème d'être fini. Kassori en tête, leurs passeports sont aujourd'hui confisqués. Donc, attendons de voir quelle va être la suite de cette feuilleton. C'est un feuilleton malsain. L'RPG est allé trop vite en besogne. C'est un feuilleton malsain. On attend de voir. Peut-être parce qu'on les a laissés faire. Non. Peut-être qu'on est en train de les laisser faire pour les précipiter après, pour les tacler après. C'est une erreur de casting parce que, à mon avis, déjà miser sur un leader. C'est trop tôt, d'autant plus que la plupart de ces responsables sont concernés par la CRIEF. Vous allez miser sur quelqu'un, peut-être qu'on va copter demain pour l'envoyer à la maison centrale. Vous remiserez sur un deuxième qu'on va prendre pour le mettre à la maison centrale. Je pense que de manière assez simple, ça aurait été mieux pour le RPG de voir d'abord donc ça n'a pas du tout été intelligent. Non, ce n'est pas, c'est pas un bon cheval. Précipité. C'est comme si vous misez sur un cheval qui ne va pas faire partie de la course. Une question, Thierno Suleiman, c'est qu'en 2020, on nous a fait croire que Alpha n'avait pas un dauphin au sein du RPG Arc-en-Ciel. Et finalement, Alpha quitte le pouvoir quelques sept mois après, on voit Kassori qui émerge. Alpha n'a pas voulu d'un dauphin. C'est un gourmand. Il voulait consommer tout pour lui seul. En 2020, peut-être que les choses auraient été différentes. Moi, je crois que l'histoire entre Alpha et Kassori, il faut remonter à un peu plus avant. C'est-à-dire, quand Kassori fusionnait le GPT, son parti d'alors, au RPG, il y a eu un deal. C'est qu'il rejoignait le RPG, pas pour jouer les spectateurs. Il venait pour jouer un rôle et pas des moindres. Il était parce qu'il a fait, parce qu'il a été Premier ministre. Non, pas que. Il était question si le processus était allé au bout. Mais ce n'est pas à minimiser non plus. Non, oui, justement. Mais il y avait quelque chose de plus consistant que cela dans l'appareil politique du parti. Qui était la présidence du RPG ? Il était censé être positionné comme, en tout cas, second, après Alpha Condé au niveau du parti. C'était ça le deal. Vice-président, ou en tout cas en seconde position, après le président Alpha Condé. C'est ce qui lui avait été promis. Ça n'a pas été réalisé comme beaucoup de choses que vous savez. Et peut-être que nous ignorons. Comme le chinois de la haute guinée. C'est Kassori, ce qui arrive là. Vous allez arrêter. C'est une sorte de revanche que Kassori a réussi. Au niveau de la tête du RPG. Est-ce qu'il a réussi ? Oui, il est en train. Parce qu'en tout cas, pour l'instant, c'est acté qu'il a été désigné comme étant le premier responsable. En tout cas, il a réussi à fusionner un parti qui vaut 0,2% de l'électorat dans un ensemble dans lequel il récolte absolument un parti qui vaut 53%. Absolument. Non, mais c'est lui le gagnant, évidemment. Oui. Sans compter que entre les relations. Sur le bon cheval. Ben oui, il tire son épingle du jeu. Et en politique, c'est ça aussi. Sans compter que ses relations avec Damaro sont un peu plus complexes que ce qu'on est en train de présenter. Tous les deux étaient du CPT. Des relations tendues même. Ben non, c'est des relations amicales à l'origine qui sont en train, presque fraternelles. Au départ, qui ont été tendues. Et qui risquent de se détendre, qui ont des chances de se détendre. Parce que Damaro, au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est un animal politique. Et quand il se rend compte qu'il ne peut pas faire ombrage à Kassori et que ce dernier est en train de prendre de. En pole position. Oui. Rien ne l'empêchera de. Il y en a qui disent qu'il va prendre la vice-présidence. Parce que vous avez lu sa réaction chez nos confrères d'Afrique Guinée, où il ne crache pas sur l'option de revenir sur les choses. Il a posé des conditions. Et c'est déjà le début de quelque chose. Donc, dans cette histoire, moi, je crois que Kassori, pour l'instant, il sort gagnant. Demain, personne ne sait de quoi sera demain. Mais moi, je crois que celui qui est en train de tirer son épingle du jeu, c'est Kassori, parce que... Alors, rapidement, en une minute, quand Thierno Alpha Ibrahim, qui nous rapporte, dit que Kassori exige du CNRD la mise en place d'un cadre de dialogue pour un retour à l'ordre constitutionnel. Exactement. Qu'est-ce que ça te dit Politiquement, c'est très bien joué. C'est ça. Politiquement, il est en train de porter son manteau de leader politique. C'est-à-dire qu'il a une vision... Et qui veut montrer au CNRD justement qu'il est un interlocuteur avec qui il faut compter. Là, il est en train de faire de la politique. À sa place, celui qui ne fait pas ça, il n'est pas en train de faire politique.
C'est-à-dire, il sait bien que quelque part, dans son coin, dans un coin de sa tête, il y a cette histoire de Kiev et tout ce qui va. Mais à côté, il y a la politique. Il a déjà un parapluie. Voilà, il s'est engagé en politique. Il joue sa partition. Il n'est pas en train de dormir. En attendant qu'on vienne le cueillir un jour pour... Non, il ne s'agit pas. C'est un homme debout qui est en train de se battre. Et moi, je suis admiratif de son jardin. Merci beaucoup, Emma. Rapidement, une réaction à cette déclaration de Kassouli en 30 secondes avant de donner la parole à... Je pense que c'est la suite logique, justement, de son ascension à la tête du RPG. Mmh. Comme l'a dit tout à l'heure Alpha, il vient de se procurer parapluie. Maintenant, ça va être confus pour le CNRD de savoir est-ce que c'est l'ancien premier ministre d'Alpha Condé qui parle ou c'est le leader politique, le nouveau président du comité provisoire du RPG Arc-en-Ciel.